Je ne suis pas un chef d'État laïque parce qu'à partir du moment où on est musulman, on ne peut pas être laïque. En réalité, tous les chefs d'État du monde, musulmans, je ne dis pas arabes, ne sont pas des chefs d'État laïques. Et quand ils disent qu'ils veulent être laïques, je dis qu'ils ne sont plus musulmans. Car le droit
le droit musulman nous colle à la peau, qu'on le veuille ou non, tant sur le plan du droit public que sur le plan du droit privé. C'est malheureusement ce qui a perdu l'Iran et qui a fait que mon ami le regretté Shah n'a pas compris qu'il a... On peut dire que c'est lui qui a fait sauter le couvercle de la marmite iranienne qui bouillait parce que pour lui, il y avait le clergé. Il appelait les imams le clergé. Alors que chez nous, l'arabaniyat de l'islam, il n'y a pas d'ordre religieux. L'islamisme n'est pas une menace. Pourquoi ? Parce qu'il y a des partis politiques qui expriment et la révolte sociale, et socialiste en particulier, l'USFP fait ce boulot, ou l'indignation de type religieux, les Cyclades le fait très bien. Si les Cyclades n'existaient pas, il aurait fallu l'inventer. Il y a un chef d'État qui occupe la sphère religieuse et est venu dans un pays musulman qu'il y ait que l'islam ne soit pas laissé en friche. Parce que quand l'islam est laissé en friche, il devient l'intégrant. Le citoyen est d'abord un croyant. Vous ne pouvez pas séparer cela. Et quand vous séparez, quand vous obligez les gens à ne plus être des croyants, vous préparez le lit d'intégrisme. Ce qu'a voulu faire le chef d'Iran, ce qu'ont essayé de faire les Algériens avec les résultats qu'on connaît.
21h30. Aux armes! Aux armes! Les tirailleurs se précipitent aux murettes. Les dissidents se sont rassemblés face à notre front sud. Aucun n'a fui. Dans le camp, le silence est absolu. Mais l'énervement est sensible. Qu'on en finisse! Tout à coup, les femmes poussent des cris effrayants, des you-you dont le rythme se précipite. On entend « À mort, chien, on vous tient !» et ils s'élancent. Notre réplique est brutale, intense, immédiate. Grenades, mortiers, mitrailleuses, tout part à la fois. Nous sommes au milieu d'un feu d'artifice. Au matin, nous avons repoussé deux assauts. Les officiers fouillent le terrain à la jumelle. Personne. Le lieutenant Barou revient de reconnaissance. « Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ça, c'est du beau travail, mon commandant. Il y a du sang partout. » À chaque pas, des flaques de sang sur les pierres, sur les feuilles, sur la terre où elles font des taches noires. On dirait qu'on a saigné des bœufs. Un chapelet nage au milieu du sang. Un véritable ruisselet noir part de là et coule dans les rochers. Plus loin, un morceau de crâne est plaqué contre un arbre. Mais pas un cadavre, pas un blessé. À la faveur de la nuit, les dissidents les ont tous enlevés. On suit la trace sur le sentier qui descend, le passage des blessés et des morts. Pour ceux qui en douteraient, la colonisation du Maroc par la France au début du XXe siècle ne fut pas du beau travail. Elle fut impitoyable. Et lorsque la conquête des âmes et des cœurs chers à Lyautey se fut heurtée à un mur résolument hostile, c'est avec l'armée d'Afrique et par la force des armes que le protectorat parvint à asseoir son autorité et imposer la dite pacification. En fait, une guerre sans pitié contre des résistants qui refusaient d'être pacifiés. On va les affubler de tous les noms. Dissidents, pillards, salopards, fanatiques. La conquête sera très longue. Pas moins de 22 ans et très difficile. 30 à 40 000 morts côté français et Marzen, l'état central marocain. 5 à 10 fois plus chez les résistants. Les combats furent aussi acharnés que désespérés. Mais curieusement, et c'est là où je veux en venir, des pans entiers de cette histoire héroïque sont maintenant passés au Maroc totalement sous silence. Un des combats les plus fameux, engagé au sud dans le massif du Sarro, par une poignée d'irréductibles maintenant presque oubliés, fut proprement épique. C'était en 1933. 1933, en plein hiver. Ces combats, qu'on qualifie d'asymétriques, opposèrent d'un côté le Marzen français, 60 000 hommes de troupes puissamment armés, et de l'autre, un millier de familles retranchées dans des jebels imprenables et résistant 3 mois durant à un déluge de feu. L'idée m'est donc venue d'aller voir sur place, 80 ans après, le théâtre des opérations. Mais profitons du voyage pour rappeler le contexte historique. Au tournant du 19e siècle, le Maroc vit une période troublée sur fond de crise dynastique qui aiguise les appétits des puissances étrangères. L'acte d'Algésiras de 1906 marque la fin de l'indépendance de l'Empire chérifien et le début de la pénétration militaire espagnole et française. Les Français débarquent à Casablanca au prétexte de protéger leurs ressortissants et restaurer la sécurité. Et ce, avec un corps expéditionnaire de quelques milliers d'hommes, bataillons coloniaux, tirailleurs algériens, spahis, 4000 en 1908, 8000 en 1911. Le sultan Moulay Hafid, sans ressources et dans l'incapacité de se payer une armée solide, est de plus en plus isolé. Contraint et forcé, il signe alors le traité du protectorat en 1912 qui ouvre le Maroc à la colonisation. Mais, accusé par la population d'avoir vendu le pays aux Roumi, les chrétiens, il abdique. Remplacé par son frère Moulay Youssef, qu'on installe à Rabat, sans réel pouvoir. On lui laisse les affaires religieuses. C'est le protectorat. Très 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 protecteur. Ainsi légalisé aux yeux de la communauté internationale, cette conquête coloniale, appelée aimablement la pacification, se fait au nom du sultan afin de l'aider, dit-on, à asseoir son autorité sur l'ensemble de son empire. Le Maroc des villes et des plaines est facilement conquis, les grands caïds sont vite gagnés à la cause et on utilise les tribus soumises contre celles qui ne le sont pas en mettant à profit les rivalités de clans. Dès 1918, tout ce qui est rose ou rouge sur la carte est déjà conquis. Mais pour le reste du pays, c'est une autre histoire. La résistance se durcit dans les campagnes, notamment dans les montagnes et les régions arides habitées par des tribus turbulentes, farouchement jalouses de leur liberté, souvent en dissidence. C'est le fameux Bled Siba.
L'armée d'Afrique est alors jetée dans la bataille. Elle est au début surtout constituée de troupes dites régulières, composées d'unités étrangères, menées par des officiers français, auxquelles s'ajoutent progressivement de nombreuses forces supplétives, composées de recrues marocaines, pour compter un total de 50 000 hommes en 1912 et près de 400 000 pendant la guerre du Rif 10 ans plus tard. Qui sont donc ces nombreux supplétifs marocains ? Commandés par des officiers français des affaires indigènes, ce sont des contingents de Morazni, les troupes du sultan, ainsi que des goumiers et des partisans recrutés pour les opérations. Un goum est composé de 150 à 200 goumiers, à pied ou à cheval, qui ne servent que dans les contrées où ils ont été recrutés. Ces guerriers à la djellaba de laine, comme on les appelle, s'engagent en général sans état d'âme, ayant une vague idée de ce qu'est l'identité marocaine. Mais ils se battent sous commandement français pour le compte du sultan. En vérité, ils aiment certes le baroud, la bagarre, et ce sont des guerriers nés. Mais ils sont d'abord motivés par le gain, car en signant pour un an, ils touchent une prime modeste, et bien que devant assurer leur propre subsistance, ils profitent du butin, la razzia, en fin de combat, c'est-à-dire les troupeaux, les montures et les pauvres dépouilles des vaincus laissés sur le champ de bataille. Au poste, le goumier construit sa keshla, et il peut y vivre en famille. En opération, ils connaissent remarquablement le terrain et sont chargés de conquérir le territoire tandis que les troupes régulières, zouaves, spahis, légions, tirailleurs algériens, viennent derrière l'occuper dans un second temps. Les goums sont ainsi très vite considérés comme des corps d'élite, très sûrs, dont les officiers des affaires indigènes qui les commandent font l'éloge. Mais très exposés, ils subissent de lourdes pertes. Les partisans, quant à eux, sont recrutés à chaud et sur place pour une opération précise qui jette en première ligne ces nouvelles recrues. Rapidement équipés, fusils à baïonnette, ils se battent contre leurs voisins qui, à un moment ou un autre des périodes précédentes, ont été leurs ennemis. En vérité, il se passe au Maroc un phénomène unique dans les annales coloniales françaises. Tribu après tribu, ces combattants qui, dans un premier temps, ont attaqué sans relâche les troupes coloniales, se donnent littéralement à elles après leur défaite. Pas une seule tribu ne se livrera sans combattre fièrement, mais, après avoir demandé l'aman, la paix, elles serviront fidèlement, au nom du sultan, le conquérant français qui jettera ainsi dans la bataille les tribus soumises contre les tribus insoumises. La ligne de démarcation entre résistance et soumission reste donc bien mince. L'armée d'Afrique, ainsi renforcée, est puissante. Les troupes sont équipées d'automitrailleuses, de fusils-mitrailleurs, de mortiers, appuyés par l'artillerie et l'aviation. Malgré ce déséquilibre des forces, les combats sont acharnés. Mais en 1933, après 20 années d'une résistance farouche, le pays est pratiquement conquis. Reste une tâche de résistance au sud du Haut Atlas, dans le Jbel Sarro, où les fameux combats du Bougafer de l'hiver 1933 vont voir s'affronter d'un côté les troupes coloniales et de l'autre les derniers résistants. Ces Aïtatas du Sarro, menés par des chefs solitaires et intrépides tels que les frères Baslam, restent insensibles à l'énorme déséquilibre des forces et sont prêts au sacrifice. Le commandement décide donc en février 1933 de régler la question du Sarro. L'opération s'organise en une vaste manœuvre d'encerclement à partir de deux groupements. Celui de l'Ouest, aux ordres du général Catrou, se compose de 4400 partisans, 6 goums et la milice d'artillerie de Marrakech. Celui de l'Est, aux ordres du général Giraud, comprend 2000 partisans, 5 goums, 2 compagnies de la Légion, une saharienne et une de tirailleurs sénégalais, 2 escadrons de spahis, une batterie d'artillerie, un peloton d'automitrailleuses et 4 escadrilles d'avions, soit 44 appareils. Soit au total environ 60 000 hommes, pas tous au front certes, mais mobilisés pour venir à bout d'un millier de guerriers, retranchés dans le massif du Bougafer, avec leurs familles, leurs tentes et leurs troupeaux de petits ruminants et de dromadaires. Au total, environ 4 ou 5 000 personnes, femmes, enfants et vieillards compris. Pour atteindre les lieux de ces combats héroïques, il faut dépasser Al-Nif, emprunter une mauvaise piste, «
et continuer à pied sur des sentiers caillouteux. La bataille s'engage dans la nuit du 12 au 13 février et assez rapidement, devant le déluge de feu et l'avance rapide des Goum, les assiégés se replient sur la cuvette de l'Im Saden au cœur du Bougafer. Protégés par de puissants escarpements, ils contrôlent alors toutes les crêtes et les cheminées d'accès. Pour assurer un blocus efficace, les attaques se portent de tous les côtés. Le groupement de l'Ouest arrive au pied des aiguilles le 20 et descend sur l'Akan ou l'Illi pour bloquer les sorties vers le nord et l'ouest. Tandis qu'à l'est, le sous-groupement de Bournazel, l'Homme Rouge, se hisse après de rudes combats le 21 février sur le Piton 1, que les aviateurs dénomment la Chapelle, puis le 23 sur le Piton 2. À cette date, l'état-major, considérant que l'encerclement est complet, déclenche alors une série d'attaques. Le 24, dans une nuit d'encre, les goumiers du 34e escaladent les cheminées qui mènent au sommet des aiguilles. Arrivés à 30 mètres des guetteurs, les chiens les repèrent et c'est la fusillade générale dans l'aube naissante. Les guerriers Aitata, aidés des femmes, projettent des rochers sur les assaillants dont certains, arrivant au sommet, sont poignardés dans de furieux corps à corps et repoussés dans le vide. La moitié des goumiers est hors de combat et sur les 7 gradés français, 3 sont tués, 3 sont blessés. Repli général au petit matin. Du côté des insoumis, comme on les appelle, la résistance s'est bien organisée. On creuse des abris sous roche pour se protéger des obus, on installe des postes de tir soigneusement cachés. Chaque nuit, malgré le blocus, des gens se faufilent entre les lignes pour assurer le ravitaillement. Mais chaque jour, les avions, relayés la nuit par l'artillerie, pilonnent les positions, détruisent les troupeaux et sèment la terreur. Lors des attaques, les guerriers se relaient car il n'y a pas un fusil pour chacun. Les hommes valides remplacent ceux qui se font tuer. La nuit, quand le baroud se calme, on insulte les officiers français. « On vous aura, chien de Rumi !» Ou les partisans « Vendus aux Rumi, vous n'êtes plus des musulmans, vous êtes des traîtres !» Aujourd'hui encore, on se moque de ces partisans vendus aux Français. Et c'était quelqu'un qui a perdu la nuit. Et puis il a écouté la voix des personnes à côté de l'eau, près de l'eau. Et il a crié, alors est-ce que c'est les partisans ou les autres? Les autres, ils ont donné les partisans, exprès pour le faire venir. Alors lui, il a commencé à parler de son histoire, de son engagement, ses relations avec les Français. Il a dit, ça fait plusieurs années que je suis au militaire français, avec le militaire français et tout ça. Et il lui dit, il les avait dit que lui reste une année pour avoir sa retraite. Il lui dit, c'est quoi la retraite? Il lui dit, tu restes chez toi, tu es payé, tranquille, tu fais rien. Il m'a dit, il m'a dit, Et tout de suite, ils l'ont tué. Là-haut, sur le Bougafer, le blocus se resserre. L'approvisionnement en eau se complique. La nuit, les femmes se glissent vers les deux seules sources, mais beaucoup se font tuer sur place car les tirs se concentrent vers ces endroits stratégiques. La situation devenant intenable, les Aitata demandent une trêve de 24 heures qu'il aurait accordée le 25 février, mais ils refusent obstinément les offres de soumission. L'état-major, impatient, décide alors de frapper un grand coup pour en finir. C'est le fameux combat du 28 février. Le légionnaire Hébert raconte. Il est 6 heures du matin. Nous gagnons le sommet de la crête en rampant les derniers mètres. C'est aujourd'hui mardi gras. Le ciel est d'un bleu gris sale. Il fait froid. Une pluie fine et serrée nous transperce rapidement et nous fait grelotter dans nos treillis. Un légionnaire qui tente de voir de l'autre côté de la crête reçoit une balle en pleine tête. Il est 6h30. Le jour pointe à peine lorsque le tir d'artillerie se déclenche, assourdissant de vacarme, amplifié par l'écho. 6 Potes 25 font leur apparition et mitraillent les positions rebelles. Sur la base de feu, des fusils mitrailleurs, des mitrailleuses et des mortiers 81 donnent de la voix. Sur notre droite, les groupes francs au djellaba rayé sont postés le long de la crête.
Les vagues de partisans et de goumiers déferlent alors vers le Piton 6, clé du système de défense, mais sont fauchés par les tirs précis des résistants Aïtata bien abrités. À la tête de ces goumiers et de ces partisans, l'intrépide et célébrissime Bournazel, mortellement blessé, est ramené sous une grêle de balles. 5 autres officiers se feront tuer dans cette seule matinée. À midi, le général Huré ordonne d'arrêter le carnage. Le nombre des supplétifs morts au combat ne sera pas communiqué, sans doute plusieurs centaines. C'est l'échec. La mort de l'homme rouge a marqué les esprits. Un rigoureux blocus se met alors en place. Les troupes sont renouvelées, les goums sont maintenus, les harcas de partisans démoralisés sont licenciés. Les bombardements vont alors s'intensifier sans laisser de répit. Après 3 semaines de résistance, à bout de force, les assiégés menés par assaut au Baslam se résignent à capituler le 24 mars 1933. Ils auront résisté 42 jours. La moitié des combattants a été tuée. Il n'en reste que 465 qui se rendent là devant ce sanctuaire de Huya Obraim, suivi par près de 2500 personnes, vieillards, femmes et enfants, dans un état pitoyable. Côté Marzen, on dénombre parmi les troupes dites régulières près de 200 morts, dont une dizaine d'officiers, mais vraisemblablement 5 à 10 fois plus chez les auxiliaires, les goumiers et les partisans, le chiffre n'étant pas dévoilé par l'état-major tant il est élevé. Côté résistant, sans doute près de 1200 personnes ont péri. La liste n'en sera jamais établie, pas plus que celle des courageux rescapés qui vont rapidement disparaître de l'histoire marocaine. Dans les années qui suivirent, après que le secteur eut été bouclé pour nettoyer le champ de bataille qui n'était plus qu'un monstrueux charnier parsemé d'explosifs, les habitants du Sarro reprirent leurs activités, le pays étant placé sous autorité militaire. Conformément à la politique des notables chers au protectorat, le chef de la résistance, Assou Baslam, fut nommé Amrar Nufla, c'est-à-dire chef de la confédération Aïtata. Par la suite, il collaborera avec le pouvoir colonial de façon loyale et efficace. En 1956, à l'indépendance, le nouveau roi Mohamed V, sensible aux états de service de Hasso, ne lui tint pas trop rigueur de cette loyauté embarrassante puisqu'il fut confirmé dans sa fonction, reprise par son fils Ali, nommé Caïd en 1968. Que reste-t-il de ces événements vieux de 80 ans ? Pour les militaires français, la bataille du Bougafer est un épisode particulièrement héroïque dans les annales de l'armée d'Afrique. Le dernier combat chevaleresque des temps modernes. Là où fut tué Bournazel. « Il fallait à ce demi-dieu une apothéose dans cette guerre de titans », écrit-on. Tout a été écrit sur cette épopée. Des ouvrages officiels écrits par les plus hauts gradés, des témoignages d'officiers, des récits, des combats, des romans, des biographies épiques, des guides même décrivant les opérations de terrain, même des BD. Certes, l'héroïsme des dissidents, leur sublime courage est célébré, mais au travers du prisme colonial, l'armée d'Afrique, avec ses glorieux combattants et ses officiers nobles et généreux, se taille évidemment la meilleure part. Face à cette abondance, la pauvreté et la discrétion des témoignages marocains n'en est que plus criante. Sous le protectorat, silence total. Lieu quelques balades, des poèmes en langue tamazirte chantés dans les fêtes de village, mais au lendemain de l'indépendance, plus personne n'évoquait ces luttes acharnées et désespérées où des Marocains s'étaient battus contre des Marocains. Les cailloux. Dans les... Ouais. Il y avait des avions. Ikis, 80 ans, était là au Bougafer. Il avait 2 ans à cette époque. Son père fut tué au combat. Il y en avait beaucoup, des avions ? Il y en avait 10. Qu'il y a 44 des avions. 44 des avions. 10. Qu'il est chargé de ce qu'il y a pour moi, le roi des êtres. Il est tiré ici. 10. Encore. 10. Il est chargé de ce qu'il y a pour moi, le roi des êtres. Il est coupé ici, l'enfant. Tout à l'heure, il est tourné de ce qu'il y a pour moi, le roi des êtres. La vache, la moto, couchez les morts. Les chameaux, couchez les morts. Tous. Ces résistances éparpillées et solitaires furent un peu plus tard jugées archaïques par les élites nationalistes des villes, voire même néfastes et pas du tout assimilables à des germes d'un nationalisme émergent. En effet, la montée du nationalisme et la résistance organisée par les partis politiques avec l'appui du sultan Mohamed V furent surtout des phénomènes urbains. Les héros n'étaient plus les mêmes.
Honneur aux anciens combattants, ceux des grandes villes du royaume. À eux les récompenses. C'est ainsi que jusque dans les années 80, ces hauts faits d'armes furent totalement occultés et passés à la trappe. Ces démons-là, c'est ce qui était des légionnaires, des gens qui étaient de côté français. Tu vois, mais peut-être ce ne sont pas des gens d'ici, peut-être. Il y a personne qui dit que son père est enterré ici, mais s'il était du côté français ou du côté marocain. Les monuments commémoratifs dressés par les autorités coloniales et les cimetières réservés aux supplétifs marocains ou aux légionnaires furent laissés à l'abandon ou vandalisés. Côté résistant, quelques rares cimetières résistent mal aux assauts du temps. Aucun nom gravé, la liste de ces héros morts pour le Maroc n'a jamais été établie. Pas d'anciens combattants honorés, donc pas d'attribution de ces fameux grimas, des agréments, destinés à récompenser les moudjahidines. Dans le lointain Sarro, seuls quelques notables, dont la famille Dassault, furent récompensés par l'octroi d'agréments pour exploiter des lignes d'autocars et autres licences de taxi. Mais rien pour ces centaines de résistants anonymes. Depuis une vingtaine d'années, les mémoires se réveillent. Localement, bien sûr, dans le pays Aïtata, on n'a rien oublié. Cette bataille, c'est leur fierté. Et des associations se sont créées pour cultiver le souvenir et collecter des témoignages, mais bien tardivement. Qu'est-ce que c'est la fin de la vie de Bournazel? C'est la fin de la guerre. Le deuxième jour, les résistants furent encerclés sur l'Im Saden. Il y eut beaucoup de morts, que Dieu les ait en miséricorde. Nos gens se sont alors réfugiés tout en haut, sur le Bougafer, où ils furent exterminés. Les chrétiens sont venus. Il y a parmi eux des hommes qui ne ratent jamais leur cible. Le Marzen s'est enfin décidé à honorer du bout des lèvres ces héros oubliés. Des membres du gouvernement, accompagnés de gouverneurs et d'élus, sont donc venus, transportés par hélicoptère, célébrer au Bougafer les combats anciens. À présent, l'hélicoptère s'arrête simplement à Ikniun pour une commémoration plus officielle au pied d'un monument fraîchement installé. Mais la population, les élus et les associations de développement qui voient dans ces manifestations trop officielles une récupération qu'ils jugent abusive, se refusent d'y participer. Que l'État, qui s'intéresse enfin à la région, s'occupe d'abord des routes, des dispensaires et des écoles avant de venir honorer leurs héros. En 2008, la piste d'Ikniun sera ainsi rapidement asphaltée. C'est ainsi que cette amnésie d'une tranche glorieuse de leur histoire laisse chez les Aïtata une profonde amertume et un sentiment d'injustice où se mêle l'idée que ces zones déshéritées, cette montagne et la société berbère elle-même sont volontairement laissées à l'écart du développement national. Au Sarro, ne reste plus que des tombes sommaires aux ossements épars, de la ferraille, des obus, des moutons, des chèvres menées par de petits bergers, et quelques habitants paisibles
qui n'aiment pas qu'on les dérange. عزتين تتين سجيد ولا يوسان أويتين وينا يزرين طفنتين عزتين تتين سجيد ولا يوسان دقرن البال روجيس يون الوداد كان انظروا تلالي جودنا عن الناجل صدورومي تغرتين إن غغروا سكن الكور إيجنا ولا ياشل دادي كارين جعبات طقس غيفين إيجاد وغيف أداغيك سيزورا دادي كارين جعبات طقس غيفين إيجاد وغيف أداغيك سيزورا